c'est Crypto. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo unboxing assez spéciale. Non, je rigole. Wesh les gars, c'est Crypto. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo avec la compagnie du petit frère. Non. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo où on va déballer un petit colis. Donc lui, personnellement, il a commandé sur le site Puma. Je vous en dis pas plus. Moi, il m'a juste dit qu'il avait commandé sur le site Puma. Je sais pas du tout ce que c'est. Franchement, je vous montre le carton. On va le déballer tout de suite. Amène le carton, esclave. Boum. Amène le carton. Donc voilà, il vient de recevoir. Vous voyez que c'est... c'est un carton assez gros. Vas-y, ramène-le. C'est un carton assez gros. Et il m'a dit qu'il avait commandé sur le site Puma. Donc il m'a passé un seul indice. Après, faudra que ce soit moi qui le découvre tout ça. Je n'ai en aucun cas su qu'est-ce qu'il avait commandé. Lui par contre il sait parce que c'est lui qui l'a commandé, il a dû mettre la taille tout ça. Néanmoins il m'a pas dit et il a commandé tout seul. Donc il a reçu quand? Je l'ai reçu hier. Hier, lui il a pas encore ouvert, il sait très bien ce que c'est mais il a attendu que je fasse la vidéo avec lui. Donc moi je vais le découvrir en direct. Et je vais dire tout simplement si ça me plaît ou pas. Et si c'est nul ou pas, si c'est régné. Donc aussi désolé pour l'éclairage, je sais qu'il est assez puissant en fait. Et que vous me voyez en blanc. Normalement les gars je suis pas blanc comme ça hein. C'est juste que l'éclairage il est assez puissant. Donc vous regardez lui il est un petit peu plus loin de l'éclairage, il est mat. Et moi dites-vous que je suis encore plus mat de peau que lui. Vas-y ramène la boîte esclave, deuxième fois. Je vais te fouetter à force hein. Donc vas-y ramène le couteau. On va ouvrir la boîte tranquille. Donc attendez. Je vais l'ouvrir quand même ici. Envoie le couteau. Tu l'ouvres? Non vas-y ouvre là, c'est ta boîte. Après on va faire. Déjà la dernière fois, les gars, la dernière fois que j'avais fait la vidéo sur le téléphone, ils m'ont... Pas sur le bureau, je t'ai dit, non. Après, ça fait des tremblements chelous. Je veux dire, si elles sont belles... Si c'est un truc beau. Parce que, ouais, je pense que c'est des... J'avais l'impression que c'était des chaussures depuis le début, parce que la boîte, ça m'aurait étonné que ce soit un t-shirt, un survêt ou quoi. Surtout que survêt Puma par Arsenal, tout ça, mais... Arsenal, Newcastle. Fait plus de bruit, non? Fait plus de bruit. De cassos. Ah franchement, j'étais sûr que c'est ça. J'ai pas envie de regarder ça là, le truc. Donc je vous laisse regarder ce que c'est. Je sais pas si ça va faire le focus. Non, ça fait pas le focus du tout. Attendez, peut-être comme ça. Aïe aïe aïe, le focus. Donc vas-y, je te laisse ouvrir. Je te dis si elles sont LED. Déjà c'est quoi? J'ai vu Evo Speed, à mon avis c'est des crampons de foot. Après peut-être qu'il y a des chaussures trigonomiques ou je sais pas quoi, Puma qui sont bien. Vas-y, attends, non mais ouvre là, devant tout ça, tu vas l'ouvrir en direct. Attends, je vais pas regarder le comment ça s'appelle, comment on dit déjà. Ça là, dès que tu guettes ici. Là. La cam. Ouais, je vais pas regarder le range caméra, et je vais vous montrer comment c'est sans regarder. Je vous tourne la tête, hein. Je tourne la tête de ce côté. Attends, il y a du bafou. C'est vrai. Lève ta main. Ouais, donc j'ai pas vu ce que c'était. Peut-être que vous allez voir si elles sont belles ou pas. Dites-moi directement dans les commentaires si elles sont belles. Et n'hésitez pas à lâcher le petit like comme d'habitude. Vas-y, je te laisse ouvrir. Et aussi les gars, faut arrêter un petit peu de tout le temps dire n'importe quoi. Là, j'ai vu la dernière fois, j'ai fait un prank sur le téléphone. Ils m'ont dit ouais, c'est son nouveauté. Elles sont violentes. Eh, j'ai vu dans le retour caméra, elles sont puissantes. Hein. Franchement, je pensais pas que des Puma, ça allait être aussi puissant. Eh les gars, vous savez pourquoi il prend Puma lui? Tout simplement parce qu'il y a Reuss. Ouais, franchement elles sont belles. Ça fait, en fait ça fait double couleur, ça tue. Genre là ça fait regardez hein. Je vais vous montrer. Genre là elles sont noires et orange et blanc. Avec plus de noir et d'orange. Tiens moi ça. Et là elles sont blanches et orange avec plus d'orange et blanche. Et noir au milieu avec le signe Puma noir. Franchement ouais je les trouve hyper belles. Le bail est comme ça, basique quoi, c'est des crampons. Donc vous pouvez bien voir, jamais utilisé hein. C'est vraiment... On vient de il a reçu hier le colis, donc il y a ça encore, je sais pas si c'est... Ouais, c'est tombé, tout ça. Bref, je veux pas te les détruire. Donc c'est pour sa nouvelle saison. Hein. T'avais déjà les crampons de quoi? CR7. Lui, les gars, à chaque 2 mois, il achète des crampons, c'est obligé. Il a acheté quoi depuis le début d'année? Il a acheté les crampons CR7. Il a acheté les magistats. Quel magista? Magista bleu. Il a acheté les magistats bleus de David Luiz. Il a acheté les crampons de CR7, les bleu foncé et noir, je sais pas si vous en rappelez. Qu'il avait porté pendant quoi déjà? Pendant le match Real Madrid, Atlético Madrid, il les avait portés et il en achète presque tout le temps. Genre, il a des hyper Venom, il a, je crois, 2-3. Deux paires d'hyper Venom, non? Ouais. T'as une paire toute noire et orange, une paire argentée et rose, je sais pas si vous voyez. Bref, moi en tout cas, j'avais vu une super belle paire de crampons. Ah, oh, j'ai bavé, mon pote. J'avais vu une super belle paire de crampons. Je vous mettrai tout simplement l'image soit là. Ça sera franchement une super belle paire de crampons que je l'avais conseillé.
parce qu'il m'avait dit qu'il avait envie d'acheter des crampons. Après, il a pris ça là. Franchement, moi, je les porterai bien pour moi. Si on les passe, je joue au foot avec. Mais si j'ai le choix, franchement, j'aurais pris une paire Adidas plutôt, ou plutôt Mercurial. Mais bon, lui, il a pris des Pumas parce qu'il y a Reus, parce qu'il y a, je crois, il y a Fabregas, il y a Agüero, il y a Griezmann. Il aime bien surtout Reus. Donc, il a pris des crampons parce qu'il y a Reus. Et puis voilà, c'est son délire. Donc, j'espère que cette vidéo unboxing vous a plu. Souvent vous me dites ouais, fais beaucoup d'unboxing, tout ça, je vous le fais tranquille. Donc voilà les gars, vous lâchez le petit like si vous en voulez encore. Et moi je voulais sur ça, est-ce que tu veux lâcher un petit truc pour la fin? Ouais, un petit dame. Aïe aïe aïe. Donc voilà, moi je voulais sur ça les gars, je vous dis ciao tout le monde, c'était Crypto, passez une bonne fin de journée. Victim Boros, fais le mec qui brasse. Victim Boros, on te rase toi et tout ton matos. Victim Boros.